Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors voilà comment c'est à l'intérieur. Alors là vous avez le petit manuel d'instruction, hein, comme ça. Alors voilà, pour faire les bracelets comme ça, je sais pas si vous allez voir, voilà, ou des autres, attendez, voilà. Après là il y a le code, mais je vais pas gratter parce que je peux pas commander ou des choses comme ça, parce que je crois que c'est un code pour commander des élastiques, je suis pas sûre. Mais si c'est pour ça, je peux pas. Alors voilà, parce que je ne peux pas commander. Alors voilà, après ici on a toujours le paquet de 600 élastiques. Hein, voilà. Avec des jolies couleurs, j'aime bien. C'est un peu les couleurs, mais vraiment pas pétantes. Tout ça, j'adore le mélange. Voilà, hein, dans un petit sachet comme ça. Hein. Voilà. Les fermoirs, alors là les fermoirs sont plus gros que les autres que vous trouvez dans le Rainbow Loom. Je sais pas si vous allez voir. Alors je vais en sortir un, je reviens. Alors voilà comment il est le fermoir. Comme vous pouvez le voir, il est un peu plus gros je trouve par rapport aux autres qu'on a dans avec le métier à tisser Rainbow Loom. Ils sont plus petits, celui-là ils sont vraiment vachement plus grands. Et voilà. Voilà, ils sont plus grands, ils sont plus petits. Hein. C'est que des fermoirs, hein, non. Mais bon, voilà. Après, là, ils vous mettent un autre crochet pour tisser avec la petite machine. Alors, voilà. Ça. Alors, moi, je l'ai en métal. Je ne l'ai pas comme ceci, en plastique. Je ne l'ai jamais eu comme ça. Et vous avez toujours le petit mini Rainbow Loom. Hein. Alors, en fait, ça, j'ai en deux fois. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas vraiment grave. Voilà. Et voici la petite. Le petit Monster Teal. Hein. Voilà. Comment se présente. Je vais juste fermer la boîte. Voilà. Alors voilà comment c'est. Alors en fait, moi je suis super contente de l'avoir. Parce que en fait, je suis abonnée à une chaîne qui s'appelle Rainbow Loom. Je pense que ça doit être la chaîne YouTube qui est écrite ici. Mais je suis pas totalement sûre, j'ai pas encore été avec le lien là. Alors voilà, et j'ai vu vraiment des super beaux bracelets où il fallait avoir le Monster Teal. Et vraiment, je vais en faire plein avec ça et ça va être super. Alors voilà, je suis vraiment super contente. Alors voilà. Alors voilà, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Hein. Parce que j'ai refait au moins 10 fois la vidéo. Et là je suis arrivée. Youhou! Voilà. Alors voilà. Bon, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!